Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une astuce comment gagner en finale de dames. Alors dans cette position très haut blanc, on va dévier la dame noire. L'ordinateur fait un peu des siennes. Donc on va dévier la dame noire et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une enfilade. D'accord? Premier coup finalement assez symptomatique de ce type de position, assez prophylactique, on va faire dame B4. Et dame B4, c'est un coup particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que simplement, ça restreint l'activité du roi noir. Admettons dame échec, qui est une variante complètement stupide, mais voyons là, on fait simplement, alors pas dame, mais cavalier. On peut faire dame aussi, cela dit. Ça ne change pas grand-chose, en fait. On gagne la partie, mais sur cavalier, il est obligé de faire dame prend. Dame prend. Alors la promotion en dame est automatique ici, donc on ne va pas revenir dessus, mais ça serait complètement gagnant. Donc dame B4, il faut qu'il reste sur cette diagonale pour empêcher finalement qu'on aille à promotion avec le pion. Donc on peut voir des cases lointaines comme des cases plus proches, et en fait on va voir que le plan de gain reste sensiblement le même. Donc on va faire échec une fois, on voit ici, échec une autre fois. Donc il ne peut pas amener son roi sur C6, sinon on fait dame direct. Il ne peut pas non plus amener son roi sur C7. Alors je vais vous montrer pourquoi. Sur roi C7, il y a tout simplement dame, H2 échec. Si dame prend, on fait dame et on va récupérer la dame sur H2. God save the queen. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que certainement roi... A6, on recommence cette petite tentative de faire l'enfilade, ça va marcher, puisque le roi est obligé de venir alors sur B6 peut-être, dame ici échec, dame prend forcé, et on réussit l'enfilade. Alors ça serait exactement the same thing with toutes les autres possibilités. Donc en fait on va voir, par exemple si dame D5, qui serait une autre possibilité, ça serait après, à peu près pareil, sur dame D5 on fait... simplement dame ici échec, roi ici, dame ici échec. Alors si le roi vient ici, c'est perdu parce qu'il y a simplement, alors on peut même dame prend dame, roi prend ensuite dame. Dans cette configuration, c'est complètement perdant. Et si jamais il prend, eh bien on fait tout simplement l'enfilade de l'année avec B8 dame. Donc en fait, il n'y a aucune configuration dans laquelle il peut empêcher finalement cette enfilade. Donc on peut voir dame F3, ça changera rien. Donc dame échec. Ok, roi ici, dame ici échec, dame prend enfilade. Et la dernière case, peut-être, sur G2, ne change rien. Il y a toujours cette même idée. Dame A3 échec, roi B6, suite dame B2, dame prend, dame échec. Et on va récupérer simplement... la dame en B2 et gagner la partie assez facilement en évitant évidemment tous les pattes. Voilà, j'espère que cette petite et modeste vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès.